Enfin, un peu d'action. Allez, ce serait bien qu'on ait des combats en duo avec Bard. Ce serait trop bien. Alors, on va prendre les flèches classiques. Elles sont là. Ok, on va prendre des flèches de feu. Comme ça, on va pouvoir exploser les mensures. Voilà. Oh merde, ça pétait en dessous de moi. Là. Ok. Là. Putain, dommage. Ok. Hop. Hop. Faut les s'enfoncer. Raté. Couché. Parfait, les gars. Ok, les sangliers. Là, c'était que des petites montures. Ce serait bien qu'on ait les sangliers et les raptors qui descendent. Joli. Il arrête le sanglier à main nue comme ça. What the fuck. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Putain, ça aurait été bien qu'on ait des flèches électriques là. On n'a pas de flèches électriques. Hop. Ok, ça, on peut le défoncer avec flèche de feu. Parfait. Allez, viens par là. On n'a plus de vie. J'arrive pas à tirer. Attends, une attaque électrique pourrait marcher. Ouais, c'était bien gentil, mais j'ai que ça. En attaque électrique. Hop. Ah ouais, là, compliqué. Aïe. Un dernier petit coup et normalement on l'a bute. Ok. Ok. Est-ce qu'elle va venir avec le raptor? C'est ça le truc que je veux savoir. Ah non, elle descend même pas. Je vais vous écorcher. Vas-y, écorche-nous. T'inquiète. Accorde-moi l'honneur de ce défi. Et plus il y en a, plus ça se multiplie, quoi.
défi au corps à corps, pas mal. Oh! Oh! Oh, j'aimerais trop avoir cette technologie. Le fait de planer. Attends, on pourrait avoir peut-être un bouclier aussi comme lui. Oh, ce serait trop bien que si on le bat, on a ses compétences. J'avais jamais vu un bouclier pareil. Je ferais mieux de le scanner. Hop. Laisse-moi le temps de scanner tes trucs. Si j'endommage ce bouclier, je peux le briser. Ok, faiblesse. Oh mais ça, mon gars, il a des technologies lui, si on peut les avoir. Allez, on s'enchaîne. Et voilà, fallait pas me défier. J'ai pas des trucs de soins à ramasser là. On l'a démonté. Descends et affronte-moi. Non. C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarade. Elle va pas se mouiller. Retenez cette journée. Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacré les Karja. Ainsi commence notre guerre contre Ekaro. On se retire. Attends, ils peuvent cracher du feu leurs sangliers là? Emmenez-le au camp, vite. Attends, il avait déjà perdu son bras ou il avait un bras en moins? Ça va aller? Allez, Varl. T'es en forme. Oh non, me dis pas qu'il va pas pouvoir nous suivre parce qu'il... Je vais devoir faire avec Erend. Pour l'instant. C'est ça, mais tu nous rattrapes. Hein. Je te ramène au fort. Tu nous rattrapes après Varl. Parce que moi je peux pas supporter Aloy comme ça là. Tu nous rattrapes. En espérant qu'Aloy s'améliore dans son caractère. Hein. Ouais, qu'il y a un coup dur, genre qu'elle arrive pas à un truc, et comme ça, peut-être qu'elle se dira ah, j'ai besoin de plus de monde. C'est l'heure de la récup, les gars. Allez, c'est rare là. Ah, on va voir sa technologie. Dis-moi qu'on va voir sa technologie. Le bouclier, le truc qui te permet de planer. Oh, bon, on n'a pas le bouclier. Mais au moins, on a le planeur. B9, les gars. Aloy. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténacs ont une guerre civile sur les bras maintenant. J'en ai bien l'impression. Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Regala. La délégation Karja entière a été tuée. Nozar, Vatis, Fasham, un massacre. Que vas-tu faire? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée. T'inquiète, on a regardé la carte. La capitale hein. Des Outarou. On a regardé la carte, on a vu que c'était plutôt assez big. C'est la terre de Nulhomme. C'était censé être une terre neutre. Même si cette régala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient,
Ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les couars. Les rebelles les auraient fait entrer dans les couars? Comment ils auraient fait? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que t'y es, certains Karja et Oseram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces, voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs? Un grand coup? Il y en a un, pas loin de la frontière Outaru. Ah, on a encore la mécanique des grands coups, du coup, pour... C'est compliqué. C'est comme la mécanique des... Ça me donnera un aperçu de la région. Du point le plus haut dans AC, ou encore des tours dans Far Cry. Ça te permet de détecter les... Il faut que je me mette en route. Les endroits dans les environs. Les portes seront sur la carte. Pour toi, si tu souhaites rentrer. Parfait. On n'en demande pas plus, pas moins. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Ah mais Varl, j'espère qu'il va nous rejoindre. Oh. Que le soleil veille sur toi, l'œil. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Alors, on va regarder comment ça marche, la lance. Alors, pas comme ça. Ok. Et du coup, maintenant, on peut planer avec un... Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé, les gars. À l'ouest de Pondo. Un nouveau territoire à explorer. Les coordonnées de la flèche devraient me mener à... C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Comment ça, on avait un truc derrière là? À une copie de Gaïa. Ça ne sera pas facile. Daniel, les tempêtes, les machines de Régala. On va récupérer les trucs de soi parce qu'on en a plus. Comme l'aurait fait Elisabeth. Et pense pas, Elisabeth. Elisabeth, tu sais, elle a vécu il y a je sais pas combien d'années. Toi, t'es à l'œil en fait. T'as des poteaux et tu les laisses tranquilles. Voilà. Ça fera assez de gibier pour Mildu. Ah oui, on a pas mal de trucs en effet. Bon, on a un petit peu de camp là-bas. Récupérer la vermoine. Hop, la petite sauvegarde. C'est vraiment trop bien, les gars. Oh là là. Une dingue. On aurait pu prendre des dégâts de chute comme ça. Super. Je vais pouvoir sauter de n'importe quelle falaise maintenant. Ce sont sûrement les ferrailleurs que j'ai croisés à Cagnard. Je dirais qu'il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont? Voilà la sauveuse de Méridian. Et de ma propre petite affaire en plus. La reine, dis bonjour. Bonjour. Enchanté. Tu sais, sans cette fameuse Nora, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Ah, c'était moche, ce que les Ténacs ont fait à l'ambassade. Mais tous ceux qui étaient à Cagnard te remercient de les avoir repoussés. Alors c'est ton équipe de ferrailleurs? C'est pro, c'est passé à l'instant et l'autre il dit... Dans l'Ouest. Et très bientôt, on va encore développer notre affaire. L'Ouest est depuis bien trop longtemps, eh bien, prohibé. Dangereux. Mais... Si je te disais qu'on pourrait faire une armure si robuste, si indestructible, que tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter pour ta survie dans la région. Pourquoi on peut pas utiliser l'armure qu'on avait à la fin du jeu? Oh, oui, bien sûr. Peut-être parce que ça l'était trop cheaté, peut-être. C'est pour ça que j'ai demandé à mes meilleurs ferrailleurs de trouver ce qu'il faut pour créer cette armure. Chacun d'entre eux me présentera son travail. La meilleure des protections sera proposée à des chasseurs. Tel que toi. Quelle chance. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai encore pas mal de travail qui m'attend à Skorik. La reine va s'occuper de toi en mon absence. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors, mon garçon. Fais-moi confiance. Je vais souffler le fourneau de tous les autres. Oui, bien sûr. J'ai besoin que tu m'aides. De quoi est-ce que tu parles? Il fait le malin et après... J'en ai fait au moins 10 versions. Mais aucune d'assez bien. Et il y a d'autres groupes plus à l'ouest. S'ils créent une meilleure armure que la mienne, je n'ai plus qu'à dire adieu à mon baril d'éclat.
T'auras une récompense si Kerif choisit ton armure? Et pas qu'un peu. J'ai enfin le concept idéal. Il me faut juste les pièces. Et très vite. Alors peut-être que tu me rendrais service en allant les chercher? Qu'est-ce que je dois trouver? Des conteneurs de testudiens. Leur blindage est conçu pour encaisser beaucoup de dégâts. Ça fera l'armure parfaite. T'inquiète, ça va le faire tranquille. Je devrais pouvoir y arriver. Tranquille, frère, tranquille. Ah, c'est super, ça. Alors, on a un troupeau près d'ici. Voilà le contrat. Tu y trouveras tout ce que tu dois savoir. Toi, tu abats les machines et mon équipe récupérera les conteneurs. T'inquiète, c'est fait un 2-3 mouvements, non. Plus tard. Merci. Ouais, ou tout de suite. Ouais, tout de suite, ça me va. Vas-y, on va regarder ça, là. Alors. Une ruine de l'ancien monde. Je me demande ce qu'il y a dedans. Bon, voyons ce qu'on peut trouver là-dedans. Ok, alors. Je suis sûr que cette lume verte se vendra bien. Tu veux ça? Des cristaux rouges, ils envahissent le mur. Mais je pense pas pouvoir y faire quoi que ce soit. Peut-être plus tard dans le jeu. Pas encore. Les étudiants empruntent régulièrement ce passage. La reine veut le bondage. Il faut que je les attende à son campement. Et on se repose au campement, on les attend. C'est bon ? Le convoi, il est là. Le convoi, il est là. Le feu pourrait bien l'amocher. Hop. Pêche. Ouais bah eux c'est le feu qui les amoche, mais le testudien c'est pas le feu, c'est pas le feu. Il est étourdissant là. Énervé et en feu. Hop. Il n'y a qu'un seul test qui vient. Je sais pas combien de coups il met. Et viens par là. Parfait. Voilà. Normalement il prend des points au fur et à mesure. C'est mal. C'est mal. Allez, allez, meurs. J'ai terminé. Voilà, je vais parfait. Récupérer ce que je peux et laisser le blindage pour l'équipe de Ren. Ça fait pas mal de pièces pour moi. Hop là. Ok, ok, ok. Putain, la nuit, elle est bien faite aussi, hein. Regardez les étoiles et tout, putain. Propre, propre. Allez, fais-moi mon armure. Gratuitement ou pas toi. Fanda, Rendur, on a du boulot. Donc, comme convenu, voilà ton paiement. Ça, ça va m'aider à créer une armure d'exception. Mais... Eh bien, je me suis dit qu'une armure en blindage de testudien, c'est... bien. Mais qu'avec quelques ajouts mineurs, elle pourrait être encore mieux. C'est-à-dire. Si bien accepter quelques contrats. Qu'est-ce que t'en dis? Contrat pillard, contrat antenne d'alerte. Yeah. Dis-moi plus au sujet de ces contrats. Je me disais, les mâchoires de Charognard sont puissantes. Je pourrais renforcer mon armure avec. Mon équipe en a vu une meute près d'ici, prête à être abattue. Je peux toujours étudier ce contrat.
Fantastique. Parfait. Allez, on est parti. Le troupeau de coureuses dont parle le contrat de la reine doit être par là. Je pourrais peut-être lire le contrat encore une fois pour vérifier que j'ai rien. Non, mais je vais pas lire le contrat toutes les deux secondes en fait. Si j'en élimine quelques-unes, ça devrait attirer les charognardes que je cherche. C'est ça les charognardes? Non, c'est les coureuses. Non, t'inquiète, ton poteau il est mort, mais il est mort tout seul. Il a chopé un cancer instantané, comme on l'appelle. Ok, c'est ça les charognards. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok. C'est peut-être pas le moment de le détecter. Point faible, l'électricité. C'était pas toi qui devais te prendre mon truc. Hop. Oh là, oh là là. Ok, il reste un truc, mais je sais pas où il est. Alors, hop, ça devrait aller. Il est temps de rapporter ces pièces à la reine. Voilà, charognarde qu'il te fallait. Ah, mais quel beau matériau! Tiens, tes honoraires. J'espère que tu vas accepter l'autre contrat. Fais-moi confiance, tu le regretteras pas. J'espère que tu me feras l'armure gratis à la fin, quoi. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour ton armure? Des antennes d'alerte. Solides et souples. Je pourrais m'en servir pour rendre mon armure flexible. On a déjà repéré une meute de pillards. Je vais regarder le contrat de plus près et voir ce que je peux faire. Bonne chance. Je vais devoir partir. Bon, j'attends ces pièces ici. Si je réussis à les détacher sans me faire repérer, tout devrait se passer en douceur. Ok, donc je dois les détacher. Alors les antennes. Et quel truc les antennes? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi les antennes? C'est le truc là? C'est ça là? Aïe. J'ai pas pu avoir les antennes assez vite. Ils ont appelé des renforts. Voilà. Il faut que j'aille récupérer les antennes que j'ai détachées. Alors nos petites antennes, elles sont où? Une antenne, ça. Antenne, parfait. Il y a une antenne ici. Hop. J'ai les antennes d'alerte que tu m'as demandé. Normalement, là, il peut nous faire notre armure. Parfait. Ça fera l'affaire. Comme promis, voilà ton salaire. Et tu me files l'armure gratos. Tu as tout ce qu'il te faut pour créer ton armure. Alors, en fait, nos éclaireurs ont repéré un corps. Non, de mais il abuse. Il crache du feu comme un fourneau. Il abuse. Mon armure pourrait résister à un brasier. T'en penses quoi? Je regarderai les détails plus tard. J'essaierai de le trouver. Tu ne le regretteras pas. Franchement, il abuse. Et après, bonne ça va être quoi? Eh frère, on a repéré un... pièce, un T-Rex, non loin d'ici. Bon, si tu peux aller le défoncer, en vrai, tu pourrais faire une erreur armure. On n'est pas là. Et quoi, y a rien par là? Non. On monte tranquillement. Allez, monte, grimpe. Plus haut, mais je crois que ce truc peut tourner. Si je
trouve un moyen de rétablir l'alimentation, je pourrais déplacer des trucs et trouver un moyen de monter. Rétablir l'alimentation. Je veux bien, ça va être, mais... Descendre l'échelle. Ok, j'ai compris. Hop. La technique de la bascule. Je vais déconnecter du circuit d'alimentation. Elle devrait pouvoir alimenter le générateur sous la parabole. Ok, on descend tranquillement. Hop. Voilà le générateur. Et on va venir. Cette batterie pourrait le remettre en marche. Hop. L'électricité est revenue. Parfait. Maintenant, normalement, avec la commande, on va pouvoir tourner. On va voir ce que peut faire ce truc. Et là, normalement, si on va à gauche cette fois-ci, on va pouvoir monter, je pense. Voilà. Souvent, quand il y a ce genre de truc, ça part à rien. Hop. Comme ça, on remonte par l'échelle par laquelle on est descendu tout à l'heure. Je suis toujours pas assez haut pour atteindre le grand monde. Si je développe la parabole, je pourrais peut-être encore un peu plus. Et frérot, voilà. Ok, on remonte par l'échelle. Ah, sympa cette nouvelle mécanique. Pas juste grimper et tout court, t'as des petites espèces de parcours avant. Hop. À gauche ou à droite? En haut, ok. Je devrais pouvoir accéder au grand coup. Il est où le grand coup? L'endroit idéal. Et grand coup? Ah là. Grand coup. Je crois que je vais devoir planer jusqu'au grand coup. Il faut que je calcule bien. Hop. Sûrement verrouillé. Le foyer de la tribu au tarot. Construite sur de vieilles paraboles satellites. Pas sûr que je passe par le bon endroit là. Non, j'ai pas envie de chuter de cette hauteur. Je te remercie. Parfait, c'est bon. Et notre premier grand coup. Maintenant. Hop, les petites données. Des données de cartographie aux autres maps. Hop là. Ok, donc normalement la zone, on a repéré la zone les gars. Voilà, toute la zone qui vient se... T'inquiète pas poteau, je vais aller faire le creuser et je te revois après. Du coup c'est plutôt worth de le faire parce que si on veut pirater des machines plus tard, au moins on aura quoi te faire. Cette porte. Ok, alors on est parti pour faire se creuser. Notre premier creuset du jeu, le creuset de Mu. Ouais. Ok. Comment je monte? Et on remonte par là. Je pense qu'on peut monter par la gauche là, ouais. Voilà. On monte par la gauche. Comme ça après on peut sauter ici. Ok. On y est les gars. Bon, on pouvait pas monter par la droite aussi, j'avais pas vu.
Alors, on va voir quoi dans ce creuset, les gars. Le premier. C'est parti. Petit tirot. Le câble a l'air assez solide pour descendre. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais si, mais si. Un peu de parcours. Et c'est reparti. Stylé. Hop. On fait l'acro-branche en direct live. Ok, il y a des espèces de raptors. Il y a toujours les champis qui nous servent de soins. Donc là, on peut pas passer. On peut pas le marquer. Ah non, ça c'est la liaison. Okay. Ça c'est pour fabriquer les ponts. Ok, toi tu dégages. Il m'a fait peur le truc de liaison là. Ok, petit piratage. Stylé. Donc le piratage nous a permis de faire un petit pont. Pourquoi on peut monter là? Il y a quoi de particulier à part un coffre là? C'est juste un coffre. Alors. On s'enfonce dans le creuset, ça porte bien son nom, hein, creuset dans la roche. Alors. Je sais pas trop si on peut passer où on veut. On peut pirater ça? Ouais, on peut pirater la porte. Ok. Autant la pirater. Hein. Et ça nous fait revenir en arrière ou ça fait aller à la suite? Ça m'a l'air d'aller faire à la suite, donc on va aller regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? On a quoi de particulier en bas là? On a... On a un coffre. Là on a toujours nos petits champis. Voilà, on est fou de champis. Ah quand même, c'est beau à l'œil. Hein. Le jeu qui va dire, hey, les gars, prenez des champis. Hein. C'est bon pour la santé de toute façon. Soigne dans la vie réelle. Ah si, hein, un champi à bouffer, hein, ça peut être pas mal, mais bon. Quand on dit va bouffer des champis, en général, c'est non, pas pour les mêmes raisons. Quoi. Hop. T'inquiète, on a trouvé le moyen. Est-ce que je dois descendre là ou je peux passer? Non, il faut que je descende. Est-ce que je peux le tuer d'en haut? Oh, je pouvais. Oh, j'ai le seum. Pas grave. On va toujours comme ça. Ok. Allez, passer de l'autre côté. On peut pas l'attaquer. Hop. Parfait. Ok, on pirate. Passage suivant. Ça va rien à virer, ce truc. Hein. Tout se fait transporter au bout du couloir. C'est sûrement le noyau qui fait ça. Est-ce qu'on passe à gauche ou est-ce qu'on passe à droite? Est-ce qu'on peut réellement passer à droite? Si je plane, ouais, mais on peut pas passer par la porte, donc autant aller à gauche. Et j'imagine qu'on peut pas passer non plus. Si on peut. Que ça a une réelle utilité. Non, on peut pas. Oh, les fourbes. Ils te font genre tu peux passer, mais en fait il y a un petit virage derrière. Non, tu peux pas. Je peux attendre que ce truc s'ouvre. Comment il s'ouvre? Ou je peux sauter directement? Non, je peux pas sauter directement. Ok, il fallait juste attendre un peu. Hop. Parfait. Ça c'est bien, ils ont retravaillé un peu les creusets, c'est pas les mêmes qu'à l'époque. Bon, ça ressemble beaucoup quand même. Donc c'est bien. J'aimerais bien qu'il y ait une... Voilà par exemple, il y a la mécanique de ça. Je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles mécaniques en vrai. Plutôt que celles utilisées dans l'ancien jeu. Il
Ouais. Ok. Moi je pense qu'on aura quand même un boss à la fin. Je peux peut-être utiliser Je suis pas là. On va refabriquer des trucs. Ça peut toujours servir. Hop. Et voilà, tu te fais avoir comme un bleu. Alors, je peux utiliser quoi pour traverser? Les bras? Frère, je fais comment? Ah, par là? Ok. Ok, il faudrait que je monte sur le bras. Enfin, viens par là. Pas par là. Où je plane? Il vient par là. Non, il vient de l'autre côté. Si, il vient par là. Parfait. On en profite, on monte maintenant. Juste à sauter au bon moment. Hop. Là, si je veux sauter, je veux sauter. Vous pouvez pas sauter les gars, je spammais la touche, je pouvais pas sauter. C'est pas grave. Tour de plus, c'est pas si grave. Remonte. Saute. Ok, on est passé. Alors. Il y a quoi dans là-dedans? Ah, c'est qu'on peut pirater là. Parfait. Il y a un truc là-bas. Nope. Ok. Là. Merci. Ok, le petit pont. En fait, on pouvait clairement l'éviter. Je sais pas pourquoi on a insisté pour le frapper. Et du coup on a perdu tous nos trucs de soins, on est un peu dans la merde. Hop. Je pourrais essayer d'atteindre ce bras en bas. Le bras en bas. Ok. Okay. Hop. Et là. Je devrais pouvoir sauter. Ouais, mais comment? Ah. Allez, on monte, vite. Les aérations, elles vont se fermer un moment. Les aérations. Aération. Hardy. Je devrais arriver à grimper sur ces transporteurs de métal d'ici. Hop là. Bon, y a notre poteau en bas qu'on a attaqué sans raison. Je crois qu'on lui a fait zéro dégâts en plus. Hein. Je suis arrivé jusqu'ici, je dois tenir encore un peu plus. Eh oui, pas des gros bras. T'inquiète. Il va bientôt falloir que je descende de cette chose. Genre maintenant. À atteindre le noyau. Hop. Ouais. Le bras normalement il va venir. Voilà. Hop. On est bientôt au centre. J'espère que le boss de fin sera pas trop dur. Parce qu'on a vraiment plus de soin. Qu'à moins qu'on voit la masse de champi. Ça va vraiment être compliqué. Hop, monte. Merci. Hop, le petit balancier. Je dois bien calculer mon coup.
Ouais. On va attendre un peu. Là. C'est bon. Hop. J'aimerais bien les prendre, hein, mais. Ah voilà. Ok. Alors normalement là il va falloir que j'aille venir à gauche. Hop. Hop. Oh là. Les gars, ma pauvre. Va pas te blesser. Ce serait bête d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Ok, champion, on se remet le sang tout de suite. Ok, donc là normalement on est au cœur. Parfait. Les pièges électriques et verticaux peuvent désormais être fabriqués et placés. Ok, je crois que c'est ce que j'ai eu dans la caisse. Bon, on a vu qu'il y avait un boss, hein, on l'a vu. Enfin, c'est pas un boss. C'est une belle bête quoi. Allez go pirater, allez combattre l'autre. Hein. Grande bouche. Ah c'est un hippopotame, ok. Explosif, faiblesse. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme faiblesse. Hein. Ah, c'est clairement un hippopotame. Ouais, mais j'ai pas ce genre de truc, moi. Oh ouais, mais frérot. Mais frérot. C'est de l'eau? C'est quoi? C'est de la... Je sais pas ce que c'est comme... L'eau bouillante? Oh, ça c'est son attaque qui fait mais giga mal, donc faire gaffe à pas se faire toucher par elle. Ah, encore des machines. Attends quoi? Attends quoi? Quoi? Non. Ils ont pas osé. Enfin. Oh. On a eu les hippopotames. Merci Akira, merci. On a eu les deux hippopotames. Tu vois un hippopotame, tu te dis c'est réglé, et là tu vois le deuxième popé quoi. Alors on va pouvoir pirater quoi comme machine? Et premier noyau piraté les gars. Alors on peut pirater les tunneliers, les pillards, les brouteurs. Ah on pouvait pas les brouteurs encore. Ok bénef. Les charognards. Ah ouais. Et les cornes sables, ouais, comme les brouteurs. Et les grandes bouches, on peut pirater les hippopotames. Oh c'est trop bien. Les hippopotames, si on peut les monter, je pense ils iront pas très vite. Mais par contre ils défonceront la gueule des autres mecs avec leur grande mâchoire là. Avec les données récupérées dans ce noyau, je devrais pouvoir pirater cette machine. Est-ce que je peux le monter, le pillard? Maintenant on est tous dans le même camp. Non, je peux pas le monter. J'y suis. Ce sont les coordonnées que j'ai scannées sur la flèche. Un atelier installé sous un Horus mort. C'est pile le genre d'endroit où je m'attends à trouver Silence. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Aloy. Vois ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance. À l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du Titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre ami mutuel Hadès. Afin de le rendre,
coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé, au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Peut-être te rappeler que tu as échoué. Alors, tu vois à l'œil, Gaïa peut être relancée. Quant à l'emplacement d'une copie, eh bien, tu vas devoir me suivre pour en savoir plus. Quelle saloperie. Il nous met le suspense jusqu'au bout. Il est persuadé qu'il a tout compris. Pourriture. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe. Pour ceux qui regarderont du coup la vidéo YouTube, merci d'avoir regardé. Je sais pas pourquoi je fais signe. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Pensez aussi à dire en commentaire vos prédictions pour les prochains épisodes. Moi, je suppose, c'est mon avis, hein, que bah, celle qu'on a vue là va continuer à nous embêter là. Ça va être une des méchantes principales. Et Silence, on va apprendre du coup que une copie de Gaïa a été mal exploitée, mal utilisée, ce qui fait que c'est cette façon mal exploitée de Gaïa qui est en train de créer l'espèce de plante rouge là qui est en train de tout envahir et détruire la planète. C'est ma prédiction. Voilà, merci du coup de mettre vous, qu'est-ce que ça peut être vos petites prédictions. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss !